Salut tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est le dernier jour du challenge Back to Reality, donc c'est l'épisode 8. Ça fait déjà 8 jours que vous voyez ma tête tous les jours sur votre feed YouTube, mais là c'est fini, vous me verrez plus que 2 fois par semaine. Si vous avez suivi le challenge, j'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous découvrez et que vous voulez voir toutes les vidéos, en gros j'ai fait une vidéo par jour pour la rentrée. Je vous parle de mode, de beauté, de développement personnel, des astuces recettes, bref plein de choses. Je vous invite à aller voir et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour que vous puissiez suivre tout ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que croyez-moi, j'ai pas fini de vous surprendre. On se retrouve aussi sur Instagram parce que du coup on se verra pas tous les jours. Donc si vous voulez voir ma tête tous les jours, je vous invite à me retrouver sur Instagram. C'est SoGirlIssée, exactement comme le nom de la chaîne. Où là par contre vous verrez ma gueule littéralement tous les jours, parce que je poste des stories tout le temps, je vous raconte toute ma life. Aujourd'hui on se retrouve pour clôturer cette semaine en beauté avec toute la modestie du monde. Cette vidéo va sauver ton année. En gros c'est vraiment des conseils pratiques qui ont fonctionné sur moi. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de mon parcours scolaire sur YouTube. Je vous invite à aller regarder les vidéos de mon parcours en école de commerce, à la fac, en DUT, etc. Vous avez été hyper intéressés à chaque fois et vous m'écrivez souvent sur Instagram pour savoir comment je fais pour réviser, pour ceci, pour cela. Donc là je vais vous donner mes conseils hyper pratiques, même par rapport au boulot, je vais vous parler aussi de mon expérience. Alors on va commencer par toute la partie gestion du temps. Pour moi la première chose c'est de savoir gérer et dégager des priorités. Je vous ai fait une vidéo du coup dans ce challenge Back to Reality, je crois que c'était l'épisode 3, sur comment fixer des objectifs et faire une espèce de vision board. C'est hyper important pour te structurer toi-même, d'avoir des objectifs en tête. Pour ça je t'invite à aller voir la vidéo parce que je vais pas la refaire ici. Mais en gros une fois que t'as tes objectifs qui sont fixés, on va prendre 2 exemples. Un exemple pour tu passes ton bac, le 2e exemple tu veux avoir une promotion. Et bah en fonction de ça, en fonction de tes objectifs, tu vas définir les axes prioritaires. Donc tu sais que tu veux ton bac et qu'en même temps tu veux apprendre la flûte. Tu sais que tu veux une promotion et qu'en même temps tu veux apprendre le yoga et faire ceci cela. Bah voilà, t'as tes objectifs qui sont définis, donc tu vas pouvoir te dire ok c'est mes priorités et je vais faire mon emploi du temps en fonction. Donc en plus de celui que t'as déjà par nature, j'ai envie de dire, que ce soit à l'école ou au travail, où tu sais au travail tu dois faire 8h-18h à l'école, bon bah on t'impose ton emploi du temps la plupart du temps. Il faut aussi que toi tu puisses organiser ton temps en dehors de tout ça, pour pas te laisser dépasser et oublier les choses. Donc moi pour ça j'utilise plusieurs choses. J'ai un weekly planner en papier que j'ai acheté chez Emma, où je note vraiment tout ce que je vais faire chaque semaine. Moi il y a une situation un peu particulière, comme je suis auto-entrepreneur et que je travaille à la maison, en gros moi mes semaines se ressemblent pas vraiment, mais en même temps c'est compliqué pour moi de gérer. Quand j'étais à l'école et au travail, je savais que mes semaines allaient se ressembler, je savais ce que j'allais pouvoir faire. Donc voilà, mon loisir ça va être tel jour, le temps que je vais devoir m'occuper de moi ça va être tel jour, le temps que je m'occupe de la paperasse c'est tel jour, tel soir, après les cours, bref. Tout ça c'est hyper important en fait pour te créer une routine. C'est assez bête, mais si t'arrives à avoir quelque chose d'imagé sur papier ou quoi que ce soit, tu vas te dire que t'es obligé de le faire, et au fur et à mesure ton cerveau va s'accaparer le truc et va dire ok bon bah comme je suis obligé, ça s'intègre à mon quotidien donc ça devient normal. En fonction de l'échelle d'importance du coup que tu attribues à chacune de tes priorités, t'accorderas plus ou moins de temps. Un exemple, tu passes ton bac en juin, t'es une grosse en maths, tu sais que bah voilà le soir en plus de tes devoirs tu vas t'attribuer je sais pas le lundi et le jeudi tu fais 1 heure de maths tous les soirs, voilà, mais ça tous les jours, enfin toutes les semaines jusqu'à passer ton bac. Tu veux une promotion, pour ça tu dois apprendre des cours d'anglais parce qu'il faut être bilingue, et bah tous les mercredis et les jeudis soirs 2 heures de cours d'anglais par semaine jusqu'à l'obtention de ta promotion. Bref, des trucs hyper réguliers mais qui te permettent d'avoir un truc fixe pour que tu puisses s'y habituer. Et évidemment, il faut prévoir des cases vides pour les loisirs perso. Tu sais que par exemple le mercredi soir et le samedi soir tu fais rien, c'est juste pour tes potes, donc voilà, comme ça ça te frustre pas non plus. Ensuite, faut savoir respecter son emploi du temps, et ça c'est pas facile. C'est bien de l'avoir fait, c'est bien de l'avoir écrit, maintenant faut au quotidien pouvoir l'assumer, pouvoir le faire. Premièrement, les aides sur son téléphone. Alors moi quand j'étais au collège, lycée, ça n'existait pas forcément, on n'était pas tous là avec nos iPhones et tout, donc on n'avait pas forcément les rappels, les calendriers, etc. Donc aujourd'hui moi c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Je sais quand j'ai un rendez-vous, quand j'ai un truc important, quand je sais que toutes les semaines, le jeudi je dois faire ça, je me mets un rappel et du coup sur mon téléphone je le vois. Tu peux mettre une sonnerie, tu peux mettre un réveil qui te fait dire ok bah là déconne pas, à telle heure tu dois vraiment faire ça. Donc voilà, tu peux faire ça toutes les semaines, tous les jours, en fonction de ce que tu dois te rappeler de faire. Il y a aussi un truc que moi j'aime bien faire, c'est planifier des mails automatiques. Genre du coup t'as ton emploi du temps, tu sais que tous les jeudis soirs tu révises ton anglais ou tes maths, et à la fin de chaque session tu prévois pour la semaine prochaine, tu dis ok j'écris ma to-do pour la prochaine fois et je me l'envoie à l'heure où la prochaine fois je suis censée avoir moi mon temps pour m'occuper de ça. Par exemple tu prends tes cours d'anglais tout seul via une application quoi que ce soit chaque jeudi. Et bah donc jeudi de la première semaine, à la fin de ton cours, tu notes un petit mail, t'écris ok aujourd'hui j'ai fait ça, voilà ce qu'il faudrait que je fasse la semaine prochaine, planifie de me l'envoyer jeudi prochain à la même heure pour que du coup jeudi de la semaine suivante tu reçoives tiens une alerte par mail avec la liste détaillée de tout ce que tu dois faire. Et là globalement t'as pas d'excuses, tu sais que 1 tu l'as sur ton emploi du temps, 2 t'as la liste, t'as le mail,
tu te démerdes pour le faire. Donc ensuite, avoir un tableau lisible et visible dans la salle ou dans la pièce où tu passes le plus de temps, ça peut aussi être un très très bon moyen de te rappeler de ce que tu dois faire et du coup de pas pouvoir te défiler. Genre tu prends un tableau blanc ou tu prends une feuille sur laquelle tu peux écrire avec de la craie, enfin n'importe quoi, mais tu notes et tu fais quelque chose de visible. Si jamais t'as pas l'espace ou quoi que ce soit, juste tu notes sur un cahier, un carnet, n'importe quoi, et tu barres au fur et à mesure. Tu te fais une espèce de to-do list chaque jour ou chaque semaine, enfin bref, comme toi t'as envie de procéder, mais de façon à ce que tu aies besoin de faire une tâche, de cocher à chaque fois que tu as fini un truc. En fait, moi je sais que ça m'aide beaucoup, à chaque fois que je sais que j'ai plein de trucs à faire, je vais me laisser éparpiller, ou alors à l'inverse j'ai pas beaucoup de choses à faire et du coup je vais avoir la flemme ou j'ai des habitudes et je peux les oublier. Le fait d'écrire et de le voir, en plus de recevoir des alertes, en plus de tout ça, je me dis vraiment j'ai plus d'excuses et en plus c'est hyper satisfaisant d'avoir à tout barrer en mode c'est fait, c'est fait, c'est fait, et à l'inverse ça stresse vachement de voir que rien n'est fait. Donc ça peut avoir une espèce d'effet un peu reboostant qui peut t'aider à faire tout ça. D'un point de vue humain, c'est hyper important de prévenir ses proches de son emploi du temps. Je sais pas trop comment m'exprimer là-dessus, je sais pas si vous allez comprendre, mais en gros, si par exemple t'as tes cours d'anglais, tes révisions, tes trucs, bref, tu te structures comme tu veux, tu sais que pour atteindre ton objectif ou pour réussir ton année, il faut que tu bosses à fond sur tel truc, que ça va te prendre tel temps, machin machin. Tu sais que tu vas être beaucoup moins dispo pour tes proches, beaucoup moins dispo pour tes potes, pour ton mec, ta copine, peu importe qui. Et donc du coup c'est hyper bien de les prévenir en amont, de leur dire voilà écoute je te préviens, on est en septembre, je me suis fait un planning sur les 6 prochains mois parce que tu sais que je suis en galère pour ça ou pour ça ou pour ça. Donc sache que le lundi, le mardi, le vendredi, tu m'oublies, je ne suis pas là, personne ne me demande quoi que ce soit. Par contre je suis dispo le mercredi, le samedi et le dimanche. Tu vois, comme ça, ça évite les frustrations, ça évite aussi que tu changes ton emploi du temps tout le temps. Parce que ça c'est le pire truc à faire aussi, en mode oh tiens je vais faire une exception, je vais boire un verre avec mes potes. Et au final toutes les semaines tu trouves des bonnes excuses et finalement tu fais jamais rien. Alors que si tu sais que t'as un temps pour les loisirs et un temps pour ta fée, bah ça va t'aider à t'organiser. Et même chose si tu vis chez tes parents, discute-en avec eux. Je sais que moi j'avais ça, une espèce de pression qui fait que bon, tu sais que tu dois dîner à telle heure, tu sais que tu dois aider ta mère à faire ci, à faire ça, à faire machin. Tu leur en parles avant, tu leur dis voilà j'ai prévu sur les 6 prochains mois d'avoir tel emploi du temps parce que j'ai besoin de réviser, d'être tranquille dans ma chambre, que personne me dérange. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous préférez que je fasse ça sur un autre jour parce que vous allez avoir besoin de moi? Bref. Comme ça tu t'assures en amont, avant de te fixer toi-même avec ton emploi du temps, que tout le monde est ok, que personne ne va te mettre de bâton dans les roues. Ensuite il y a un point hyper essentiel pour réussir son année qui est d'être motivé, donc un gros gros point sur la motivation. Et du coup je vous ai fait une vidéo dédiée à la motivation, je crois que c'était l'épisode 6 si je dis pas de bêtises, je vous invite à aller voir la vidéo, c'est mes 10 secrets pour garder une motivation toute l'année, donc elle vient complètement compléter cette vidéo et je vais pas vous la refaire, donc je vous invite à aller voir la vidéo sur la motivation à la fin de celle-ci, restez jusqu'au bout. Donc après la motivation, pour moi il y a un point aussi qui est essentiel, c'est de savoir s'entourer. Tu réussis jamais tout seul, ou alors t'es malheureux comme tout et à un moment donné ça te retombe dessus. Croyez-moi, on vit dans une société tellement riche en bordel, mais tellement riche en bonnes choses aussi, il faut pouvoir le voir et l'accepter. Il faut pouvoir et savoir s'entourer des bonnes personnes, c'est hyper hyper important. Au-delà du côté bonnes ondes, etc., du fait de pouvoir s'entourer de personnes positives, dont je vous en parle d'ailleurs dans la vidéo sur la motivation, il y a aussi le côté utile, il y a aussi le côté, tiens, je peux avoir besoin de ces gens d'un point de vue hyper hyper factuel. Si par exemple t'as des gens qui sont dans le même cursus scolaire que toi, ou des gens qui ont 2-3 ans de plus, ou peu importe selon l'objectif que tu as, et tu sais qu'ils vont avoir un truc à t'apporter, à l'inverse toi tu peux avoir quelque chose à leur apporter, ça peut être bien d'aller discuter avec eux, d'essayer de te nourrir, d'absorber un peu leur jus de cerveau à chaque fois. On a tous nos forces et nos faiblesses, donc c'est hyper important d'en prendre conscience et d'essayer de t'entourer au maximum des gens que toi tu vas pouvoir aider et qui vont pouvoir t'aider en retour. Ça fonctionne pour l'école, genre t'es nul en maths, ta meilleure pote de classe elle est hyper bonne en maths et elle est naze en langue et toi t'es bonne en langue, et bah vous prévoyez une session, tu vois, dans ton emploi du temps tu dis que tous les jeudis tu vas passer 2 heures avec elle, tu vas l'aider en langue et elle tous les mercredis elle va t'aider en maths, enfin tu vois, tu fonctionnes comme ça. Et très souvent quand t'es dans de bonnes vibes t'apprends beaucoup plus, tu prends beaucoup plus de plaisir à faire les choses, et donc le fait de travailler et d'aller se motiver avec d'autres humains, ça semble con mais c'est beaucoup plus agréable. Et aussi pour le boulot, du coup moi dans mon expérience, dans mon CDI, enfin je suis restée du coup 3 ans dans une boîte, si jamais vous découvrez la chaîne vous êtes pas au courant, mais je vous ai fait des vidéos sur mon métier, j'ai été 3 ans dans une entreprise, j'ai commencé stagiaire, ensuite en CDD, ensuite en CDI pendant quasiment 2 ans en tant que responsable média, donc dans la pub, etc. Et je peux vous assurer que t'as un traitement hyper différent selon ton statut. Et je voyais que genre les stagiaires et les apprentis étaient hyper mal considérés. À l'inverse, ta hiérarchie, c'est Dieu. Alors que pas du tout, en fait, tout le monde a quelque chose à t'apporter. Et en fait, le fait de te refermer et d'avoir des espèces de stéréotypes en disant personne peut m'aider, j'avance tout seul, je fais ma route, je trace mon chemin, machin,
c'est exactement comme ça que tu tombes et que tu fais de la grosse merde. Et clairement je m'en suis rendu compte, donc écoutez les autres, entourez-vous, posez des questions, si vous comprenez pas, vous le dites, n'ayez aucune honte. Si y a un truc où tu sais que quelqu'un a quelque chose à t'apporter, tu vas lui dire, même si t'as l'impression que du coup il va se sentir, tu t'en fous, c'est pour toi, c'est pour avancer mieux, correctement, de manière plus carrée, cadrée, apprendre des choses. Donc essaye au maximum d'échanger avec les autres, tout le monde a quelque chose à t'apprendre et toi tu as des choses à apprendre à tout le monde. Donc la communication c'est primordial pour réussir. Et du coup le dernier point qui va être le plus essentiel c'est savoir travailler. Donc il va y avoir deux parties, savoir travailler à l'école et savoir travailler au boulot, au bureau ou peu importe. À l'école, je vais vous donner tous mes tips pour réviser, pour au quotidien, vraiment les trucs hyper hyper factuels. Alors déjà il y a un truc, il faut jamais jamais avoir honte de ne pas comprendre ou de ne pas savoir. Je sais que moi très souvent j'avais souvenir à l'école où genre quand j'étais en cours ou machin, que ce soit en cours théorique ou en cours pratique au lycée ou après d'ailleurs, quand il y avait un truc que je comprenais pas, j'avais trop honte. J'étais là, non mais je peux pas poser la question, etc. Et il y a quelqu'un qui posait la question auquel je pensais et le prof disait, non mais il n'y a pas de question bête, tiens si tu as posé la question, c'est qu'un million de personnes se la posent aussi. C'est vrai, si t'as un truc en tête, dis-toi que potentiellement quelqu'un d'autre n'a pas compris. Si tout le monde savait, personne n'irait en cours, tu vois ce que je veux dire? T'es là pour ça, t'es là pour poser des questions, le prof va se sentir hyper hyper saucé en plus que tu lui poses des questions, il va dire tiens elle s'intéresse, machin, donc c'est cool dans tous les cas. Et en plus t'auras ta réponse et tu te sentiras pas con de te dire ok j'aurais dû poser la question parce que là je suis en bac de philosophie, il y a exactement le truc sur lequel j'ai bugué en cours, j'ai pas posé la question, bah j'ai pas la réponse et bah bam j'ai pas mon bac. C'est dommage. Va voir les profs à la fin des cours. Genre, si tu comprends pas un truc ou même si tu le comprends mais que t'as envie d'approfondir, va les voir. Les profs ils sont là à ton service, ils sont là pour toi, ils sont là pour t'apprendre, pour que tu absorbes leur jus de cerveau. Donc si un sujet qui t'intéresse, n'aie pas l'impression que t'es genre l'espèce de lèche-cul de la classe machin qui va voir son prof pour s'intéresser, non. Tu verras que quand toi tu réussiras mieux que les autres, ils viendront tous faire la même chose auprès de toi. Ah comment t'as fait? Donne-moi ton DM, fais ci, fais ça. Bah non mec, moi je me suis intéressée, moi j'ai fait plus que toi, moi je suis allée plus loin. Donc c'est pas toi maintenant qui va venir voler mon travail, tu vois. Donc il y a tout ça aussi, et sachez que tout est bon à prendre. Ensuite, entraîne-toi. C'est débile, mais on l'a tous fait, on a tous triché, on a tous pris les DM de nos potes parce qu'on était en galère, on a rien compris, on s'est dit vas-y s'il te plaît donne-moi ton truc, c'est à rendre demain, j'ai rien compris, je recopie, je change quelques trucs, machin. Ça sert à rien. Quand tu passes ton examen, quand t'es au boulot après, quand t'es dans la vie de tous les jours, machin, personne sera là pour t'aider en te donnant les réponses, en machin, toute faite, machin, personne. Donc pour toi, essaye de comprendre, essaye de t'entraîner. Il n'y a pas meilleur moyen de réussir que l'entraînement. C'est comme un sportif de haut niveau. Il y a Usain Bolt, demain il n'est pas venu et il a dit tiens, je vais taper un sprint et je vais être le meilleur sprinter du monde. Et Cristiano Ronaldo, il n'a pas dit vas-y, je vais dribbler. Oui, de base, on a tous nos facilités dans tel ou tel domaine, mais on n'est pas parfait dans un domaine. On a toujours des choses à apprendre. Et à force de t'entraîner, tu deviens meilleur. Tu deviens meilleur, tu deviens meilleur jusqu'à faire le maximum que tu puisses faire et réussir et tout exploser. Il y a aussi un truc, souvent tu te dis, ouais, bon, j'ai pas besoin de m'entraîner, mon contrôle ou mon truc, peu importe quoi, et demain, j'apprends tout par cœur ce soir, mes résultats, j'ai pris les annales de l'année dernière, je sais le faire de manière un peu robot, machin, j'ai rien compris, mais j'ai appris par cœur. Ok, donc c'est bien, tu l'as fait, t'as passé toute une soirée en PLS à apprendre par cœur, le lendemain matin t'as tout qui est frais dans ta tête, t'arrives à noter, t'as rien compris, une semaine après on te pose une question, t'as rien compris, deux semaines après il y a ton bac, t'es obligé de refaire les mêmes choses, et une semaine après tu t'en souviens encore pas, donc c'est une perte de temps. Tu passerais le même temps à faire des vrais trucs, à t'entraîner, au lieu de tout apprendre par cœur 4 heures la veille, et bah sur une semaine tu condenses, tu fais une heure à t'entraîner, t'auras passé le même temps, mais t'auras beaucoup mieux appris, et tu réussiras du coup beaucoup mieux. Comment réviser ça? Donc ça c'est des vrais tips sur moi, comment je faisais pour réviser. Il y a un truc que j'utilisais beaucoup, c'est les fiches. Je sais pas si ça se fait encore maintenant que les nouvelles technologies sont hein, mais les fiches canson là, les petites fiches comme ça, c'était toute ma life. Je prenais mes cours, surtout les cours bien théoriques, genre histoire, économie, machin et tout. Je prenais mes cours, je notais, je faisais genre une ou deux fiches par chapitre avec les chiffres clés, les dates clés, les trucs que j'avais du mal à maîtriser, ce genre de trucs. Je mettais des couleurs. Les dates, elles étaient en rouge, les noms, ils étaient en vert, les trucs que j'arrivais vraiment pas à apprendre, je les fluote en rose, enfin tu vois. Et comme ça, dès que je les lis, je sais l'information que je cherche, elle est là, et bah bam, je le vois visuellement, ça m'aide beaucoup. Ça m'aidait beaucoup d'écrire et de relire en fait. Moi, c'est un bon moyen que j'avais de mémoriser. Et du coup, je le faisais de temps en temps. Plutôt que de me dire, ok, j'ai un contrôle dans 3 semaines, plutôt que de me dire, bah je vais passer tout le samedi à faire mes fiches 2 jours avant, bah chaque jour, après chaque cours, je prends 10 minutes, je fais une fiche, bam, c'est réglé. Enfin, tu vois, tu gagnes du temps. Il y a aussi un truc, j'aimais beaucoup m'enregistrer en récitant mes fiches. En gros, je m'écoutais vachement, c'est très bizarre hein, de dire ça.
mais je lisais mes fiches et après je m'écoutais, genre dans les transports en commun et tout, je m'écoutais réciter mes fiches. Donc j'avais écrit, j'avais lu et j'avais entendu mes fiches. Donc 3 fois plus de chances de retenir tout ce que j'avais à retenir. Puisque comme je vous l'ai dit, il faut s'exercer pour les cas pratiques, pour les cas théoriques, les fiches, etc. C'est très bien, t'apprends par cœur, tu dois apprendre par cœur, donc de toute façon t'as pas d'autre choix que juste de gober un peu le truc. Mais pour les cas pratiques, il n'y a pas de secret, il faut que tu t'entraînes. Pour ça, il y a plein d'applications qui existent selon la matière, il y a plein de livres où tu peux refaire des exercices. Si jamais bah, t'as déjà fait tout ce que t'as trouvé, tu vas voir ton prof, tu lui demandes des exos en plus. Bref, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes jusqu'à être certain et sûr de toi-même que tu maîtrises le sujet. Tu vas pas à un examen ou un truc en te disant ouais je crois que j'ai compris. Non, tu es sûr que tu as compris. S'il faut que tu refasses 15 fois l'exercice avant de dire ah en fait c'est ça que j'ai loupé, maintenant je comprends, maintenant je sais comment ça marche, je peux le refaire 8 500 000 fois, je le ferai toujours aussi bien. Et bah c'est avec ce mood que tu pars à ton contrôle. Il y a aussi un truc moi qui m'aidait vachement à réviser, c'est faire des sessions à plusieurs. Je kiffais ça, donc on avait chacun nos fiches, on se calait une après-midi, 2-3 heures machin, et on se faisait réviser, on se posait des questions, même que ce soit pratique ou théorique. Tiens, des trucs de langue, des trucs de machin, tu prends la fiche de l'autre, tu lui poses une question machin, tu vois s'il répond bien. Et tu poses des questions jusqu'à ce que tout le monde ait les bonnes réponses tout le temps. Et tu peux passer une journée à faire ça, au final tu vas passer un bon temps avec tes potes, tu rigoles, tu machins, tu trucs, tu bouffes en même temps, bref, tu fais des trucs qui te détendent et en même temps tu fais quelque chose d'utile. En gros, la conclusion de comment réviser, c'est plutôt faire des petits efforts réguliers qu'un gros effort genre à J-1 qui va servir à rien, où tu vas te faire mal au crâne, tu vas rien retenir, tu vas peut-être pas forcément mieux réussir que si t'avais vraiment compris. Donc pense plutôt à faire des trucs régulièrement, d'où l'importance d'avoir un emploi du temps et de pouvoir te dire une heure par jour je fais ça, une heure par jour je fais ci, ça, 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 machin. Tu te structures et comme ça t'as pas à te laisser prendre au dépourvu en disant merde j'ai un contrôle, surtout que tu connais toujours les dates des contrôles bien à l'avance. Donc t'as grave le temps de structurer, de t'organiser, etc. pour éviter ce rush qui sert absolument à rien, qui va te faire tout louper. Pour le travail, savoir travailler au bureau, alors attention, ça c'est valable pour mon cas, enfin moi je parle de mon expérience, j'étais dans un bureau, donc je sais que c'est pas valable pour tous les secteurs d'activité, pour tous les métiers, pour toutes les entreprises, mais je vous parle de mon expérience. Généralement en France on est hyper porté sur plus tu restes tard, plus t'es productif, plus t'es bien vu. Je trouve à titre hyper personnel que c'est la plus grosse connerie de l'histoire du travail. Tes horaires de travail ne définissent pas ta productivité. À l'inverse, très souvent c'est que plus tu bosses bien, mais moins tu restes tard en fait. Si tu sais t'organiser, si tu sais être productif en fait, en général, de manière logique, tu termines plus tôt et pas plus tard. Après évidemment, il y a des fois où des activités ou ce genre de trucs où t'as des rushs saisonniers, des activités à finir qui te demandent beaucoup plus de temps qu'une journée normale de travail, etc. Évidemment, mais le truc classique de janvier à janvier, tu dois rester au taf jusqu'à 20h30 pour faire genre alors que depuis 17h tu te fais chier, non. Enfin, bref, donc savoir s'organiser au travail c'est aussi primordial. Moi ce que je faisais, et moi je fonctionne beaucoup avec les emplois du temps, les to-do, etc. Je faisais ça du vendredi au vendredi, parce qu'en général ça se passait plutôt comme ça, d'une semaine à l'autre et pas d'un jour au lendemain. J'avais beaucoup de réunions tout le temps, etc. Donc la journée c'était compliqué pour moi de prévoir vraiment ce que j'allais faire dans la journée, mais en gros j'avais mes deadlines, donc en fonction des campagnes, des trucs bref qui allaient sortir, j'ai mes deadlines, un peu comme pour le bac ou ce genre de choses, et du coup j'ai des rétro-plannings. Donc je sais chaque semaine les trucs que je dois faire dans mes rétro-plannings pour faire avancer les choses. Donc le vendredi soir je me fais le point sur tout ce que j'ai réussi à faire cette semaine et je me fixe les trucs que je dois faire pour la semaine suivante. Comme ça quand j'arrive lundi au bureau, bah je sais ce que je dois faire et je sais après moi m'organiser en fonction du planning de la semaine pour faire rentrer chaque case dans chaque truc et machin et machin. Et je me fais des points chaque soir en mode ok, bon bah là on est déjà jeudi, il me reste 24 heures pour finir tout ça, ça va être chaud, donc demain je sais que j'arrive plus tôt, ou demain je sais que... Bref tu vois, mais juste t'organiser et pas te dire on verra, yolo, machin. Si t'as de la chance aussi de bosser en équipe, bah consulte tes collègues. En fait ça c'est un truc parfois, on dirait que c'est qu'à l'école, tu sais, où t'oses pas poser des questions, t'oses pas faire ça, t'as peur de paraître con. Je vous jure que non, je vous jure que même au travail, je le vois et même moi je l'ai vécu, parfois il y a des trucs que tu maîtrises pas forcément en soi parce que c'est le terme de l'entreprise que tu ne connais pas, ou le fonctionnement de l'entreprise que tu maîtrises pas encore, ou un truc spécifique à ton métier où t'es pas sûr et certain machin, et tu te sens con. Tu te sens con de demander, tu te sens machin, tu veux pas déranger. Non, les gens sont là à côté de toi pour t'aider. Toi, un jour, potentiellement, ils auront besoin de toi. Donc, plutôt que de perdre une demi-journée à rester bloqué sur un truc où tu dis non, je peux pas demander parce qu'ils vont se foutre de ma gueule, machin, tu vas voir une personne de confiance ou la personne avec laquelle t'as le plus d'affinité, tu lui demandes, tu poses des questions, tu fais en sorte de débloquer en t'aidant des autres, quoi. Et ils te donneront toujours un contact, toujours un truc, des pistes pour aller chercher la solution quelque part, quoi. C'est jamais en restant seul dans ton coin
que tu peux débloquer une situation si tu ne sais pas. Et il y a aussi un truc pour moi qui était primordial dans mon travail pour me faire sortir un peu la tête de l'eau et aussi pour m'aider à avancer et à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus créative et tout ce que tu veux, c'était de m'octroyer, un peu comme dans ma vie perso je ferais en mode dans ton emploi du temps tu t'octroies des loisirs de temps en temps comme quand t'es en cours, et ben là je m'octroie des temps pendant mon temps de travail où je vais faire de la veille sur ce qui existe. Donc je me mets une heure, je sais pas, je mets une heure le mercredi matin où je vais aller surfer sur tous les sites internet qui parlent du média et je vais aller voir les nouvelles tendances, les nouveaux trucs, les machins, les best cases des entreprises. C'est un peu comme quand je te dis entraîne-toi, demande au prof plus d'exercices, machin. Ça fonctionne aussi pour le monde du travail. En fait, très souvent, on a tellement de trucs à faire, on est genre focus sur nos objectifs, sur nos trucs et on se laisse machin et du coup, on fait des trucs un peu de manière... voilà, il faut les faire, donc on les fait comme ça, mais on voit pas vraiment ce qu'il y a à côté. C'est hyper important dans la vie de tous les jours et dans la vie pro aussi, de pouvoir se nourrir de l'extérieur. Donc ça aussi, pour réussir et pour être toujours plus performant, toujours plus... voilà, plus épanoui, et ben il faut pouvoir sortir la tête de l'eau et du coup s'octroyer un peu de temps pour ça. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous aideront. Je vais terminer la vidéo sur quelque chose qui pour moi est primordial. Si vous suivez tous ces conseils, c'est très bien. Mais il y a un seul truc que je vais vous demander vraiment de faire, absolument, c'est d'être heureux et de penser à vous. Ça semble hyper débile, ça fait vieille Dana qui vit dans le monde des bisounours. T'as beau faire tout ça, t'as beau faire tout ce que je viens de te dire, tu vas réussir peut-être, tu vas réussir. Tu vas réussir 1 an, 2 ans, 3 ans, puis dans 5 ans, dans 10 ans, tu diras « En fait, j'aime pas ce que je fais. En fait, je le fais, mais de manière hyper dépourvue d'émotions, d'envie, de tout ce que tu veux. Pose-toi les questions. » Tu le sens, tu le sais au fond de toi-même, si tu fais des choses avec plaisir ou si tu fais des choses parce que t'es forcé. Évidemment, au lycée, etc., t'es obligé parce que voilà, tes études supérieures, tu les choisis. Ton job, tu le choisis. Ce que tu fais, tu le choisis. Tu es maître de savoir ce que tu veux faire de ta vie. Personne ne doit t'obliger à être médecin si tu veux pas être médecin, rester à un poste si tu veux pas rester à un poste. Tu vas finir quoi? Tu vas finir en burn-out, tu vas finir médecin mais ravagé, en dépression, machin, ça ne sert à rien. C'est un vaste sujet, le fait de choisir sa voie, etc. Mais c'est quelque chose que tu sens profondément au fond de toi. Si t'es pas heureux, tu vas réussir, mais t'auras jamais vraiment réussi. Je sais pas trop comment vous expliquer, pour moi la plus belle réussite c'est d'être heureux toute sa life. Donc même si t'as ton métier, t'as ton diplôme, t'as ta promotion, t'as ton machin, t'as tout réussi, si t'es malheureux, au final, le dernier jour de ta life, t'auras l'impression d'avoir tout raté. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc pour que tous ces conseils fonctionnent, le premier conseil que je vous donne, c'est de faire quelque chose qui vous épanouit, qui vous rend heureux et que vous avez choisi de faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous servira et vous plaira. Vraiment, je vous invite à mettre des pouces bleus si jamais c'est le cas et à partager vos petites astuces. J'espère de tout mon cœur qu'elle vous suivra cette année. Si vous avez des petits coups de mou, regardez-la, partagez-la à des potes, enfin bref, faites tout ça. Moi je vous laisse, c'était la dernière vidéo du coup du challenge Back to Reality. Une vidéo par jour pendant une semaine. Je crois que ça va presque me manquer de filmer autant et d'être tout le temps comme ça sur YouTube. On verra si jamais ce genre de challenge vous a bien plu. J'essaierai d'en faire un peu plus souvent pour d'autres occasions. On verra, dites-moi ce que vous aimeriez voir. Dites-moi si ça vous a plu aussi de me suivre pendant une semaine tous les jours. Je vous souhaite une très très belle rentrée à toutes et à tous. Que vous soyez au travail, au lycée, en études, n'importe quoi. Je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.